Bravo, Jack. Cette victoire est synonyme d'espoir. L'heure est grave, mais quand j'étais à la tête d'Abriville, j'ai vécu ce genre de situation. Garde espoir. Même la plus fragile des fleurs est à l'abri entre les rochers. Quoi ? Vous avez vraiment été à la tête d'Abriville ? Je suis monté sur le trône pendant les guerres contre les Metalheads. Le baron Praxis m'a trahi et m'a banni dans les terres pelées. La suite, tu connais. Bref, voici la troisième et dernière de tes amulettes. T'es l'un des nôtres maintenant. Cette amulette est une balise. Si t'as besoin de nous, utilise-la et nous viendrons. Et je t'offre, en guise de bienvenue, cette armure des précurseurs qui aurait été portée par Mar en personne. Je la gardais pour mon propre fils, mais je pense qu'elle te sera utile en ces temps difficiles. Merci, mais je n'ai rien à vous offrir. Tu nous as offert l'espoir, Jack. C'est un magnifique cadeau. Bienvenue parmi nous. Nous avons un problème. Les rapports indiquent qu'Erol a été alerté et qu'il a dressé les boucliers du vaisseau noir. Même si nous arrivons à activer le système de défense planétaire, rien ne dit que ça fonctionnera. J'ai l'impression que l'astroscope de l'abri forêt ne sert pas qu'à observer les étoiles. Vous devez être prudent. Des créatures noires ont envahi la forêt. L'astroscope ne va pas être facile à atteindre. Eh bien, salut tout le monde, c'est Good Lucker et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 28 de cette série Jack 3 sur la FR Gaming Zone. Et nous, on va prendre un lézard d'Ozor. Alors, la dernière mission consistait à défendre la ville. Damus nous avait donné l'armure de Mar, il me semble. Et nous allons donc aller dans le désert, apparemment, pour retourner à l'abri forêt, il me semble. Je sais pas. J'ai l'impression. Alors, ne vous inquiétez pas, au niveau des ans précurseurs, je pense avoir une idée qui serait, vous allez me dire ce que vous en pensez, faire juste un petit montage avant de finir le jeu, donc avant la dernière mission, le boss final, un petit montage qui consisterait à vous montrer où sont placés les 600 ans, puisqu'il y en a 600, il me semble, ou 300, je sais plus exactement, 600, voilà, je crois. Les 600 orbes sur notre petit Jack. Donc je ferai un petit montage avec de la musique. Bien sûr, je laisserai quand même 5-6 secondes au niveau de chaque orbe pour que vous voyez bien, vous distinguez bien où il se trouve dans le jeu. Voilà. Et je pense faire ça donc dans pas longtemps. Alors peut-être que du coup ce que je vais essayer de vous dire, c'est que je vais faire peut-être plusieurs épisodes, étant donné qu'il y en a 600 et que je suis à 3 heures pour l'instant, ça mettra peut-être du temps, donc on verra. Et sinon, je pense peut-être aussi recommencer brièvement l'aventure, donc cette fois-ci je passerai toutes les cinématiques mais avec les codes, donc ça sera beaucoup plus marrant. Je pense que pour vous, ça sera marrant, et puis même pour moi, j'ai bien envie de voir tous les petits codes qu'il y avait, étant donné qu'il y a également aussi des cinématiques bonus. Bref, je vais faire comme dans Kingdom Hearts 1, j'ai envie de tout vous montrer, vous faire découvrir tous les secrets de ce jeu. Alors par contre, au niveau de Kingdom Hearts 2, je n'ai toujours pas fini entièrement, dans le sens où j'ai pas battu Sephiroth. Mais c'est vrai que cette mission, elle est super dure et que pour l'instant, j'ai pas assez de temps à consacrer aux jeux vidéo pour pouvoir battre Sephiroth, à moins que quelqu'un aurait une petite sauvegarde, mais bon, encore, je sais même pas comment je pourrais la mettre. Alors bref, là, on se retrouve dans l'univers de Jack 3. Alors là, c'est une mission assez compliquée. Donc, ce qu'on va faire, on va tuer celui qui est là-bas et on va faire ça, voilà, comme ça, la petite technique en mode furtif. Et non, tu ne prendras pas l'appareil avant moi. Donc là, en fait, l'objectif de la mission, c'est de détruire toutes les plantes qui sont autour de nous, en faisant bien gaffe à ce que ils ne détruisent pas le véhicule dans lequel nous sommes. Donc, c'est pour ça que c'est une épreuve de vitesse. Parce que les petits comiques là, ils sont bien gentils, mais ils nous infligent quand même beaucoup de dégâts. Et si on n'est pas rapide, on perd facilement l'avantage. Donc là, pour cette fois-ci, ça allait. Mais vous allez voir que les autres sont beaucoup plus durs. Alors déjà, celui-là, il est assez relou, dans le sens
coup, voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de tuer celui-là, voilà, et de tuer celui-là par là. Alors là, on va envoyer un petit truc comme ça. Allez, s'il te plaît, tire, voilà, nickel. Tu les tues tous, nous on avance. On prend le truc rapidos, voilà, et c'est bon, on est dedans. Comme là, on va d'abord en jeter deux ou trois. Allez, Nico sur les plantes. Voilà, nickel. Allez, on tue tout le pâté, là, voilà, nickel. Hop, tac, ça, toi tu vas être bon. Allez, on se brouille. Celle-là, cette plante-là. Vous voyez, là, j'ai pratiquement plus de vie. C'est vraiment la mort. La dernière plante. Là, je vais d'abord m'y shooter et ensuite, je vais m'occuper de la plante. Je sais plus où elle est, la plante. Elle est là-bas. Allez, vite, 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 vite. Allez, on est dedans. Voilà, donc là, il me semble que j'ai détruit tous les trucs. Alors là, par contre, on va en envoyer une deuxième. On va récupérer des missions. Vous voyez, il y a tellement d'ennemis que ça lag, hein. C'est pour dire quand même comment c'est intense. Alors là, je vais utiliser ça. Ah ouais, mais ils réapparaissent tous là, ça c'est pas bon ça. Alors celui-là, il va être dur aussi à prendre. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est que là j'ai plus de vie. Alors on va faire ça. Et on va faire le mode ralenti. Non, tant pis, j'aurai pas de mode ralenti. Est-ce que je vais arriver à te shooter dessus? Yes, il est parti, il est descendu, je sais pas par quelle magie mon HDPVR a bugué. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Hop. Parce que j'ai des problèmes d'HDPVR et en fait le truc c'est que j'ai pas envie. Voilà, là je clique sur recapturer. Voilà. Ça, je pense que c'est un problème que tous les youtubeurs ont en commun. Donc là, je vais me faire un petit indice. Toc, toc, voilà. Et hop, c'est reparti. Voilà, je pense que c'est un youtubeur... c'est un problème que tous les youtubeurs ont en commun. C'est que je ne sais pas pourquoi, des fois, l'HDPVR s'éteint. En tout cas, moi, c'est ça. Il cesse de fonctionner pendant 2 secondes. Et hop, ensuite, il reprend. Alors, je sais pas. Peut-être que ça vient aussi d'une ordi qui est naze. Alors là, je vais peut-être quand même privilégier les plantes. Parce que là, il y en a quand même beaucoup autour de moi. Et que là, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Et la dernière compris, elle est là-bas. Vite, 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 là. En plus, elle est super loin. C'est super dur de lui tirer dessus. Oh, yes. Nickel, nickel. Non, c'est pas vrai. J'y étais presque. Bon, allez. On est reparti. Pour un tour. Alors là, par contre, on va prendre les munitions avant. On va se grouiller parce que j'ai bien vu l'autre petit qui avançait. Il n'y a pas des munitions là, non ? Ouais, si, il y a des munitions cachées. Voilà, donc là, on va se mettre en jetboard pour aller plus vite et esquiver l'autre gros tas là. Voilà, hop. Nickel. Et bah ouais, moi je suis tellement fort en jetboard que laisse tomber, tu peux pas me test. Voilà, nickel. Hop, tac. Et là, on se fait ça pendant une demi-seconde. Voilà, là, on le bute. Nickel. Et hop, on prend le truc. Non, c'est pas vrai, j'ai fait régénération. Comment on arrête ce menu? Voilà, on le prend. Là, nickel. Allez, on vise la première plante. Allez, Jack. Voilà, nickel. Première plante achevée. Faut aller super vite dans cette mission. Vous voyez, j'ai pratiquement plus de vie là sur mon véhicule. Et on va descendre parce que je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et si je peux remonter dedans, peut-être, il va peut-être récupérer de la vie. Non, c'est génial. Donc là, je pense qu'on va exploser. Et yes, on a encore explosé. Vous voyez comme quoi cette mission est super dure. Mais oui, mais j'ai juste à faire ça. Yes, j'ai trouvé la technique. Allez, on y va. Hop. On va essayer de pas se faire avoir là. Ce que je vais faire, c'est qu'au bout de la deuxième plante, je vais me transformer en Dark Jack et je vais tous les péter un à un. Alors là, par contre, on est mal, on est dans le mal. C'est là qu'ils sont tous à ma poursuite. S'il te plaît, Jack, tu me laisses pas dans le caca. Allez, allez, avance, allez, allez. Cette mission est tout simplement impossible, c'est pas vrai. Faut que je réfléchisse à un moyen stratégique pour pouvoir accéder à cet endroit en toute légitimité, sans problème, sans encombrement. Alors déjà là, peut-être je vais essayer de passer par là. Des fois, voyez-vous, dans ce genre de jeu, voilà, nickel, et là, hop, et là, tac, je le jarte, et là, je monte dans le truc, je casse la première plante, allez, on couille, nickel, deuxième plante,
Voilà, on descend. Dark Jack. Non, non, je me suis trompé de touche. La bombe. Voilà, comme ça, là. Ouh, là, je suis dans le timing. On remonte dans le véhicule. Hop, dernière plante. Allez, allez, allez. Parce que voyez-vous, le problème, c'est que les ennemis sortent des plantes. Et en illimité. Et voyez-vous, là, je vais terminer cette foutue mission de ouf. Nickel. Allez, qu'est-ce que t'as un problème, toi? T'inquiète pas, je vais déjà régler ton compte. T'inquiète pas que je suis présent. Allez, tiens, bim, du premier coup. Bim, là, tiens. Tiens, allez. Voilà, t'es un gros loser, tu gères pas. Allez. Donc, on va observer, on va remonter voir l'astroscope. Donc, on va voir ce qu'il nous réserve pendant que les autres ne savent pas tirer, c'est ça qui est bon. De toute façon, je pense qu'avec la cinématique, ils vont mourir. Et hop, c'est reparti. Magnifique, Jack! Je savais que cette machine était spéciale. Sortez de ma tête! Jack! Jack! On est en train de te perdre! Ça me connecte au système du vaisseau des créateurs noirs! Il m'amène jusqu'à eux! Jack! Jack! Je suis connecté au vaisseau des créateurs noirs. Je peux contrôler certaines machines. Ouh là 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 là! Là, on est carrément dans le vaisseau des créateurs noirs, comme l'a dit Jack, et on contrôle un robot assez spécial, apparemment. Donc là, on va devoir s'enfuir de là. Ah ouais, ok. Nickel. L'issue de secours est par là. Et il a plutôt bonne gueule, hein, notre robot, là. Niveau des touches, croître, frapper. Ah si, il y a une protection magique. Magique, magique. Alors, je sais pas si vous avez pu le voir sur la cinématique. Jack a rentré l'espèce d'orbe précurseur. Alors, cette orbe, là, je vous en ai pas parlé. Mais donc là, je lance les bombes sur la porte pour la faire exploser. Cette orbe... Non, attendez. Non, c'est pas possible, je dois encore envoyer... Ah non, il suffit juste que je la casse. Alors, cette orbe, je sais pas si je vous en ai déjà parlé au dernier épisode, mais c'est un petit peu le même principe que dans Jack 1. Dans Jack 1, Jack rentre une espèce d'orbe pour activer un véhicule pour aller dans le futur. Et justement, il ressemble étonnamment... Oui, j'ai failli faire un perfect... Il ressemble étonnamment à l'arme que l'on vient de mettre là, dans le... Alors là, il y a un gros cœur, dans l'astroscope. Ouais, ah, c'est un petit peu comme une clé pour les précurseurs. Alors là, ce qui est assez dur, c'est que c'est difficile à manier. Voilà, nickel. Alors là, on va devoir aller dessous, je pense, il me semble. Voilà, nickel. Alors, là, il y a notre accueil. Voilà, nickel. Ouf. Je veux pas dire, mais les créatures noires ont quand même une mauvaise gueule. Je préfère les précurseurs qui sont en blanc là, qui sont quand même plus stylés. Bon, alors là, comment va-t-on faire? Ok, on a débloqué des plateformes. Voilà. Ouais, on va devoir aller de l'autre côté après. Tac, bim, tiens, on prend ça. Voilà. Alors là. Pouf! Boom! Et c'est parti. On va pas tenter le kamikaze, on va se mettre en position de protection. Hop, c'est parti. Tiens, paf, moi je vais te lancer en bas. C'est dommage qu'on puisse pas faire L3, là, j'étais en train de voir ça. Alors là, R1 pour saisir les objets, c'est parti. Hop, nickel. Voilà, alors là, on va... Si cette caméra et cette maniabilité... Ouh, nickel. Comment pivoter? En fait, il faut aller en douceur avec ce système. Voilà, nickel, tout en douceur. Donc, là-bas, il n'y avait pas l'air d'avoir de caisse. On va reprendre celle-là. Allez, go, go, go. Moi, je m'appelle Musculator, voilà. Monsieur Levé 12. Ah, ça m'a fait marrer à l'époque quand j'ai vu la vidéo de Monsieur Levé 12 sur ses comment se muscler ou je sais plus quoi. Franchement, mais en fait, je ne dirai rien, mais ça m'a bien fait rigoler quoi. Ah, voilà. Bon, alors sur ce, on va passer à la salle suivante. Allez, avec notre quadrio de choc. Allez, bim. Tu libères.
Tiens, Franky. Ah, mais oui, mais c'était les 7 C'était les Dalton, là. Bon, ok, je fais des blagues de merde, c'est bon. Bon, alors là, on va se dépêcher. Bref, va falloir en envoyer plusieurs, sans doute. C'est génial, je me prends le rayon. Voilà, allez, du gauche. Bim. Nickel. Je suis comme ça, je suis du gauche. Ah, ok, je dois viser les petites... Allez, maintenant. Yes, trop synchro. Notre héros. Qu'est-ce que... Daxter? Quoi? T'as vu quoi? Fais voir! Allez, ici la Terre, je me demandais. Allez, je déteste être petit. Un moment, j'ai cru que... On aurait dit... Non, c'est pas possible. Ou alors, attendez, parce que je sens qu'il va y avoir ce foutu robot qui va venir nous casser les pieds. Ouh, quel plongeon. Oh, magnifique. Record de plongeon, Jack. C'est bizarre, il n'y a toujours pas le robot qui vient nous enquiquiner. Moi, je dis, c'est bizarre, je la sens pas. Par la Chine. Alors, comment la carte... Yep, afficher la carte. Alors, va falloir faire demi-tour, les enfants. Chaque fois, je suis perdu avec ces menus, comme disait KDC. Un coup, faut appuyer sur rond. Un coup, faut appuyer sur triangle. On est perdu. Alors là, du coup, voilà, ça doit être par là-bas. Tiens, non, il n'y a pas le robot. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu voir sur la cinématique, mais Jack avait l'air intrigué par les voix qu'il a entendues. À la fin, en disant notre héros, et il a dit Daxter. Enfin bref, bizarre, peut-être que les réponses se situeront plus tard dans l'aventure, mais il y a quelque chose là-dessous. Oula, quel saut magnifique, d'ailleurs je vais faire une petite figure, hop les, oulé, ça c'est la classe. Bon allez, ouvre-toi, et moi vu qu'on est à 15 minutes, là je le sens bien pour une nouvelle mission. Alors par contre, je sais pas si on va devoir retourner à Spargus, ça m'étonnerait pas. Ah, quoique si on doit parler à Ashlyn, elle doit être encore à Brayville. Ouais. Allez, c'est parti. Ashlyn, j'arrive. D'ailleurs, nous, on va se mettre en mode première personne et on va bourriner dans le tas. Je sais pas si je perds de la vie, non, je sais plus. Yes, oulala, je sais pas par contre si on peut faire, on peut pas se voir comme dans le désert à l'inverse, enfin je sais pas, vue de face, je sais pas comment vous dire, oui c'est vue de face, normalement vous devez comprendre, c'est pas comme dans le désert, j'ai l'impression qu'on va légèrement plus vite comme ça, ouais si, il y a quand même un truc, oh pas mal yo-yo c'est ça. Alors, on va aller en jetboard. Dommage qu'il n'y a pas des rails sur le côté. Alors moi, j'avais une question, parce que l'autre jour, j'ai re-regardé un épisode, et j'avais l'impression que comme ça, on pouvait toucher les ennemis, mais ah bah non. Il y a juste en faisant rond que ça marche. On va tester. Ouais, non, ça marche pas, on se prend des dégâts. Faut appuyer sur rond, il n'y a pas moyen. Ok. Allez, c'est parti, on va gagner de la vitesse. Allez... Allez, dommage qu'on ne peut pas faire plus de figures quand même, je regrette un petit peu. Ah, je m'en souviens de celle-là, des bouches. Allez, c'est parti, je sais pas pourquoi il descend, mais il descend. Alors nous, on sait... Et qu'est-ce que t'as un problème, toi? Il m'a poussé, non mais... Il se prend pour qui, là? Alors... Allez, tenez. Moi, je suis dans aucun camp, là. Voilà, hop les. Par contre là, on serait pris mur. Oh, et on peut même pas le faire en l'air, l'attaque. Ah si, on peut la faire. C'est bizarre. Mince. Non, j'aurais pu prendre le. Allez, on prend celui-là. Non. Oh là là, jetboard, t'es pas avec moi là. Tu gères pas là. Bon, moi je vous le dis, on va prendre un véhicule parce que là, sinon ça va pas le faire. On y sera encore dans deux piges. Allez, go,
C'est reparti, mon kiki. Allez, Jack. Montre-nous tes talents de pilote. Et moi, je dis, on me bourre dans le tas, là. Oh, laissez passer. Allez. Attendez, je vais essayer cette arme-là. Ouais, elle est pas mal. Oh non, je sais, la troisième. La troisième upgrade. Celle-là. Oh, laisse tomber. Avec ça, on éclate tout, là. Allez, pardon, chaud devant. Daxter arrive. Non, virage, virage à gauche. Allez, virage à droite. Oui, droite toute. Allez, c'est parti. Bim, tchapa. On est bien, là. À part qu'on voit que dalle, que ça, le jeu lag à mort. Allez, bim. Tenez, les gars. Jack dans la place pour sauver le monde. Appelez le 06 07 98 99. On arrive. Alors attendez, on va faire une méga attaque de la mort. À savoir celle-là que je kiffe. Elle est mortelle. Comme on descend. Regardez-moi ça, ils sont tous en lévitation. Alors ce qui est bien, c'est que je l'ai envoyé, mais il n'y avait personne dans la zone. On va se la refaire. Là, il y a du pâté. Là. Regardez-moi ça. Arrêtez la guerre, les amis. Elle ne résoudra rien. Voilà. Un instant de calme, donc Jack, c'est ça. Voilà. Bon, allez, bref. On va pas trop s'attarder non plus dans les petits délires. On va aller à l'endroit de la mission, parler à Ashlyn. Allez, c'est parti. Ascenseur subliminal. Qui sait ce qu'Erol mijote encore avec ce vaisseau noir? Il faut qu'on l'élimine. Et je suppose que tu as une idée derrière la tête? On a un plan, mais c'est risqué. Ah, tu m'étonnes, c'est jamais facile, non? Et je parie qu'on est les heureux gagnants du concours, hein? Non, c'est vraiment dangereux. J'ai pensé à Thorn et Jinx. Quoi? On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça, hein? Tu crois qu'on n'y arrivera pas? Dax! Je te rappelle que Daxter, de Jack et Daxter, a déjà affronté tous les trucs les plus horribles de la planète au cours de trois, je dis bien, trois aventures! Daxter! C'est une honte, Jack! C'est nous, les héros! C'est nous qui sommes sur les boîtes de céréales, bon sang! Et je vais bientôt sortir ma propre collection de baskets! J'ai un contrat! Vous êtes sur le coup. Couvrez Thorn et Jinx à bord d'un véhicule plein d'explosifs. Escortez-les à la section des Metalheads et ensemble, faites sauter le nid. Ok. Bah, fallait le dire tout de suite. Oh, c'est trop mignon. Daxter qui nous faisait sa petite crise d'adolescence, là. Ah, c'était trop mignon. Bon, je crois qu'il avait tout dit, hein. Heureusement que Ashlyn l'a interrompu, parce que sinon, je crois qu'il aurait, déballé tout le sac, là. Il aurait peut-être dû dire des trucs qu'il fallait pas. Bon, alors là... Daxter du coup est énervé, là c'est bon, la Chine l'a chauffé, là il est à bout, il est à cran, il a envie de montrer que c'est lui le boss, et du coup nous on doit protéger Thorn. Donc si vous voyez en bas à gauche, il y a la vie de mon véhicule qui est à la moitié alors qu'on est au début de la mission, c'est ça qui est bon. Il y a celle de Thor qui a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Et on est poursuivi par plein de Thanatorobots qui cherchent à protéger le nid des Metalheads, comme s'ils avaient fait une alliance. Alors c'est assez rigolo tout ça, puisque ça n'a aucun sens vu que en ville, les Thanatorobots et les Metalheads sont sans cesse en train de se chamailler. Alors, enfin quoi que non, vu que non, c'est les Renégardes et les... Non, c'est les Renégardes, en fait, qui sont victimes dans l'histoire. Donc, oui. Il y a bien une alliance entre les Thanatorobots et les Metalheads. Qu'est-ce que je raconte? Alors, là, on prend les devants. Thorn derrière. Bah oui, parce qu'il est poursuivi par des missiles, hein, tant qu'à faire. Qui lui enlève, allez, un septième de sa vie, tant qu'à faire. Hein, comme si c'était pas assez dur. Ouh là 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 là. Toi, je t'ai vu. Un petit poulet, t'inquiète pas. Là, comme par hasard, il y a un pont. Ça, c'était évident, hein. C'était évident. Alors, vous voyez la caisse de chargement avec tous les explosifs. D'accord, il nous a foncé dessus. Non, franchement, on est bien. Quoique le nid... Ah ouais, le nid, il est de l'autre côté, carrément. Oh là, ça va être dur. Je sais pas si vous voyez, le nid, il est dans la partie qui est toute verte de la ville, là. Qui est
tout infecté là. Là, il y a une grosse tour. Voilà, là, tu en deux secondes. Voilà, tiens, toi, tu prends ça. Paf, t'exploses au loin. Et c'est notre Jinx. Attendez, mais il y a Sieg aussi. Il y a Sieg. Elle en a même pas parlé à Shin tout à l'heure. Dans la cinématique. Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas entendu. Mais il me semble pas qu'elle avait cité Sieg. Oula, par contre, là, il y a plein d'explosifs partout. Voilà, on fait exploser tout ça. Nickel. Alors, oulala, ça c'est bien une fin de jeu, ça. On voit bien que la ville est détruite et tout. Ah, c'est la mort. Oula, j'ai fait un perfect au niveau des missiles. Ne te retourne pas, surtout Thor. Ne regarde pas derrière toi. Il fait beau, il fait un bon temps là. Ne regarde surtout pas au-dessus de toi, bien entendu. Oula, yes, allez, bim, bim. Vous voyez là les orbes précurseurs, je vais les choper à la fin du jeu, vraiment. Alors là, ça va être un petit peu dur, j'espère qu'il y aura un checkpoint. Parce que là, ça va pas le faire. Ah, quoique le nid sera juste à notre gauche après. Oulala. Oulala, Thor se faisait attaquer. Oulala, oulala. Allez, on tire sur la tête de Daxter. Oula, on a plus beaucoup de vie. Je crois qu'on a la même vie que. Pourquoi il tourne pas à droite là, Thor là? Pourquoi Thor ne tourne pas à droite là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non mais ils sont sérieux là. Ils sont tout simplement sérieux. On va devoir faire tout le tour du lac pour rien. Ouais mais là t'as plus qu'un millimètre de vie là, ça va pas le faire là, Thor. Vraiment l'attente, je regrette, mais il y a des limites à la connerie là. Ça sera plus là. Bah voilà. Sieg, t'as pas assuré. Sieg, t'as pas géré. Là, il est en plus Sieg, n'importe quoi. Il est devant, il est en train de regarder n'importe quoi. D'habitude, il est toujours avec son supernova là, en train de nous faire plein de démonstrations et de tout. Souvenez-vous, dans Jack 2, dans une mission exceptionnelle, il doit tirer sur des métalheads. Et bah là, il ne faut quasiment rien. Il regarde, voilà. Tout simplement, hein. Notre Sieg s'est transformé en gros feignant. Tant dans Jack 2, c'était un super warrior de la mort. Mais là, dans Jack 3, il se relâche un peu. Bon, alors là, le missile, yes, c'est bon, nickel. Alors que je vais pas... Les oublier, voilà, tiens, bim bim bim. Alors ce qui est bon dans Jack 2, c'est que la sensibilité est pas mal. Parce que je vous imagine pas de faire cette mission avec une sensibilité de 1. Parce que franchement, elle serait impossible. Alors, tac, 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 voilà, toi je t'oublie pas. D'ailleurs, c'est toi qui avais tué Thor à la dernière fois. La dernière fois, hop, tac, tac, tac. Oh oui, on va faire la double, triple, nickel, voilà, hop. Les métalheads qu'on n'oublie pas. Ah, lui, je l'ai oublié, là. Oula, le saut qu'il a fait. Tiens, bim, allez, prends ça. Voilà, allez, on t'a même pas vu, là. Allez, bim, voilà dans la flotte. Oula, par contre, là, il y a du pâté. On va tirer sur tout ça. Petit métalhead pour le coup. Hop, hop, allez, pour la route. Eux, ils sont venus, mais ils vont pas faire long feu parce que Yo-Yo est dans la place. Tac, tac, bim, voilà. Ouais, je suis comme ça, là, faut pas me chercher, là, c'est bon. Je suis échauffé, là. J'ai une pouce gauche qui est enflammée, mais c'est pas grave. Allez, tiens. Je comprends pas, je leur tire dessus, là, regardez, là, je tire n'importe quoi. Allez, on va faire une petite bombe, là, voilà. On fait tout péter. Ça fait des haricots. Mais tiens, bim. Mange. Je sais pas pourquoi on dit mange. Je sais pas pourquoi c'est une expression qui ne veut rien dire si on réfléchit bien. Mange. Tiens, mange. Tiens, bouffe. Voilà. Allez. Bah là, on se rapproche du nid là. Ouais, si. Ça doit être juste au bout là, je pense. Allez, tenez. Nous sommes là. Ça me fait penser un peu à Bionic. On a l'impression qu'on est dans le Bionic. Je sais pas pourquoi, mais... Trop de robots, là, ça me fait penser à Bionic. Oh, qu'est-ce que j'en ai passé du temps, moi, sur les Bionic. J'avais même acheté les DVD tellement j'étais fan.
Si vous aussi vous avez aimé les bioniques, mais c'était vraiment mais la belle époque. Ah ouais, ça leur apprendra. Démolis-les, petit gars. Ok, c'est l'heure de la vengeance. T'es bien accroché, Dax? Et tu veux dire aller dans cet endroit? Je vais peut-être rester là pour protéger Sig. Et c'est comme d'habitude. Ah, d'ailleurs, on a débloqué un nouvelle arme que bah, je vous montrerai plus tard. Donc c'est sur cette touche d'humour que nous allons nous quitter. Et sur ces métalheads qui sont... qui ne peuvent rien faire. Regardez-moi comme il est beau. De l'autre côté, oh, ils sont trop mignons. Regardez-moi ça. Bon, bref, c'est sur cette pointe d'humour que... sur cette touche d'humour que nous allons nous quitter avant d'entrer dans cet endroit. Et, ah oui, tenez, je voulais juste vous montrer quelque chose. Si je peux me transformer... Ah, non, je peux pas. En Lightjack, j'aurais pu vous montrer la technique pour se voler plus haut. Mais vous voyez que là-bas, j'aurais de quoi faire. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode des aventures de Jack et de Daxter. Allez, ciao tout le monde !